There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is another one. Et yo tout le monde, c'est Dorixel. Aujourd'hui on se retrouve sur le Nets Build. Donc on va continuer notre petite maison. Donc depuis le dernier épisode, j'ai commencé à faire un petit jardin. J'ai commencé à aménager 2-3 petites zones. Ça ce sera pour le prochain épisode, donc on n'y fait pas encore attention. J'ai fait une partie du toit. Et grande nouveauté, je n'ai pas fait un toit en dalle de pierre. C'est déjà ça, donc on va en profiter. J'ai un peu aménagé ce coin-ci à l'intérieur pour avoir au moins un sol et autre chose. Et on va recommencer le Let's Build. Donc à ce niveau-ci, vous pourrez mettre le toit, enfin le sol déjà en planche de bouleau, parce que c'est ce qui rend mieux le sombre avec le clair. Et on peut mettre le toit à cette hauteur-ci, donc juste au-dessus de la couche d'andésite. Et à l'intérieur, bah, y a juste la place pour mettre les dalles du toit, donc il y a vraiment un tout petit creux qui est ici, et le bâtiment va repartir par ici. Et après donc ici on sait quand même rien mettre, mais à ce niveau ci on va remettre plutôt allez, on va plutôt remettre des blocs, parce que comme ça on pourra marcher tranquillement dessus et on pourra décorer plus tard. C'est juste à ce niveau-ci, par souci d'économie, on peut mettre des dalles en bois de bouleau. Donc je vais un peu ellipser parce que construire avec vous le toit, c'est pas très intéressant. Et on se retrouve tout de suite. Et nous revoilà, donc le plafond et l'étage du premier étage est terminé. J'ai mis un escalier juste ici, donc à part, on laisse un espace parce qu'ici il va avoir le mur qui revient ici tout au long, qu'on va faire remonter juste après. Donc on peut déjà doubler ici, et juste après ça, donc on a les deux d'épaisseur et vous comptez 3 blocs, puis vous faites les escaliers vraiment au bord du mur. Et en dessous, personnellement moi j'ai mis des dalles. On peut mettre autre chose, ça, c'est chacun ses envies. Vous faites les escaliers comme vous voulez, mais moi j'ai fait comme ça parce que je trouvais ça assez chouette, mais c'est pas encore décoré, donc on a encore le temps. Ce qu'on peut faire, c'est juste à l'étage, au dernier épisode nous avions pas fait de vitres, donc ce qu'on peut faire c'est rajouter des vitres juste ici au bord des escaliers, comme ça on a de grands espaces vitrés. On peut faire vraiment comme de l'autre côté, rajouter aussi du bois de sapin et faire à cet endroit-ci aussi avec des blocs de quartz rayés. Hop, et on remplit deux vitres. Donc vous pouvez le faire sur 5 de long comme j'ai fait. Et je vais rajouter 2-3 petits endroits avec des vitres et je vous montre ça tout de suite après. En plus ces vitres là elles sont bien reloues à placer, donc on se retrouve tout de suite après. Et revoilà tout le monde, donc j'ai fait les vitres et j'ai augmenté la hauteur des murs ici. Donc ici j'ai pas encore fait les vitres à l'étage, donc ça c'est celle qu'on a fait ensemble justement ici. Juste derrière les escaliers j'ai fait une vitre de 3x3, derrière une vitre de 1 sur 3, 3 x 3 et 1 sur 3, donc comme ceci. À chaque fois, il se passait de 3 de chaque côté. Ici, 2, 3, 2. Comme ça, vous voyez comment c'est fait. J'ai gardé le même pattern, donc les blocs de quartz rayés. Et d'ailleurs, il pleut, je déteste ça. Voilà. C'est tout de suite plus beau quand il arrête de pleuvoir. Et ici à l'intérieur, donc j'ai encore ajouté une petite vitre espacée de 3 juste derrière le garage. Donc voilà, à l'étage j'ai réaugmenté les murs de la même hauteur, donc j'ai réaugmenté de 4 et j'ai fermé au troisième cran, comme ça on a un plafond assez haut. Et j'ai redoublé justement ici
Cette partie-ci, donc c'est exactement comme en dessous, c'est vraiment le prolongement d'en dessous. Donc à ce niveau-là, pour reproduire, c'est pas trop compliqué. Et maintenant, on va terminer cette partie-ci ensemble. Hop, on peut encore doubler les murs. Hop, ici, on peut rajouter du bois qui va repartir tout au long ici. Pas trop loin non plus, comme ça. Hop, ici on vient placer un bloc, on refait comme ceci de ce côté. Hop, on fait en sorte d'avoir deux. Voilà, de toute façon ça va être comblé, on va plus le voir. Je pense même qu'on peut casser ici vu que ça va plus se voir normalement. Je dis bien normalement, si pas, je vais remplacer. Je verrai quand je vais mettre les vitres. J'ai ellipsé pour mettre les vitres parce que c'est assez chiant le placement des vitres. Et c'est assez long aussi pour vous. Et j'ai pas envie que ce soit long pour vous. Par contre, ici, non, ça va pas se voir. Donc je peux faire aussi comme ceci, vu qu'il y aura des dalles qui vont venir se coller ici. Hop. On suit le prolongement jusque tout au bout du bâtiment. Voilà. Et on referme avec le fameux cercle qu'on connaît maintenant. Hop. Voilà. Ensuite, il faudra placer des vitres tout autour. Et ici, plus ou moins à cette hauteur-ci, comme ici en dessous. Donc les dalles qui dépassent d'un demi-bloc. On fait le toit comme ceci. Hop. Donc je fais le début avec vous, puis je vais ellipser pour faire entièrement le toit. Et à ce niveau-ci, on peut faire la même chose. Par contre, là, je viens de me rendre compte que là, ça va pas être possible, qu'on est obligé de fermer, vu qu'il y a le toit qui va redescendre. Enfin, qui va pas redescendre, mais qui va passer juste en face. Donc on ne sera pas placé de vitre à cet endroit-ci. Donc. Voilà, l'erreur est corrigée. Et je vais ellipser le temps de faire les toits et de placer toutes les vitres. Et voilà tout le monde, donc la maison est terminée pour aujourd'hui. Donc je vais faire un peu de déco extérieur et tout ça. Donc ça, vous connaissez, je vais encore faire les patterns qu'on voit un peu partout dans la ville, des petites décorations, des herbes, peut-être à l'arrière un peu mieux tondues avec des parasols et tout ça. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc c'est terminé au complet. Je vais enlever les shaders pour que vous voyez également sans shader ce que ça donne. Avec les shaders. Donc voilà. Personnellement, je suis assez déçu de ce que j'ai fait moi. Par contre, attendez, je viens de remarquer que ici. Ce serait peut-être mieux de faire comme ça ferait peut-être beaucoup plus beau. Ah oui, clairement, là c'est déjà beaucoup mieux. Je suis assez déçu de moi parce que je peux faire mieux, mais bon, il y aura d'autres bâtiments sur ce Let's Build pour que je fasse mieux. Et je vais vous mettre une photo de la maison là, sur le côté, donc comme ça vous pouvez comparer la maison de la photo et la maison ici. N'hésitez pas à rendre vos avis aussi, ça fait toujours plaisir et on se retrouve la semaine prochaine, certainement pour un épisode de décoration. Et on se dit salut tout le monde!